Oscar 2018, Macaulay Culkin a livré les meilleurs tweets et les 10.039. Histoire en taclant de nombreuses stars. La 90e cérémonie des Oscars n'a pas livré toutes ses récompenses. Alors que tout Hollywood a revêtu son meilleur costume pour assister à l'événement cinéma de l'année, certaines personnalités comme Macaulay Culkin qui n'ont pas été invitées ont pris un malin plaisir à tirer à tout va sur un peu tout le monde. Enfin, plutôt les stars masculines accusées de viol ou agression sexuelle ces derniers mois. Bien évidemment, l'acteur de 37 ans a choisi Twitter comme terrain de jeu pour en mettre plein la tête à ses célébrités. Exclusif, j'ai entendu dire que Kevin Spacey et Harvey Weinstein viendraient déguisés en hommes très grands vêtus de longs trenches, mais ils se sont fait repérer par la sécurité, a-t-il tweeté. Le troisième a passé à la guillotine, Casey Affleck. Casey Affleck ne pouvait pas venir parce qu'il est resté bloqué dans les années 1950, a-t-il écrit. Le numéro 4 à être appelé à la barre se nomme James Franco. Décidément en roue libre, le parrain de Paris Jackson a terminé sa cascade de tacles en scène prenant à l'animateur de la soirée, Jimmy Kimmel. La star de Maman J'ai raté l'avion n'a pas caché sa préférence pour Jimmy Fallon. Tellement content de savoir qu'Jimmy Fallon anime la cérémonie des Oscars. Quel gars génial! Oh, c'est ce Jimmy qui anime. Point, il est tellement courageux d'animer la soirée dans sa langue maternelle. Je parie que l'humour de Jimmy Kimmel est tellement sexe ce soir qu'il pourrait facilement être un dièse monologue du vagin. La twittosphère a applaudi sa performance. Un régal.